voici à quoi ressemble notre nouvelle vie. L'objectif de se nourrir pour survivre dans ce nouveau monde de vie, libre au sens propre du terme. Notre séjour en Caraïbes a commencé avec la visite de mes parents en Guadeloupe. Cette partie du voyage a été beaucoup consacrée à la plongée. La plongée sur des sites préservés comme ici dans la réserve Cousteau de Malendur. 2 jours. On peut voir du corail en bonne santé, des poissons évoluant dans ses infractuosités. Des coraux durs, des coraux mous. Toute une harmonie dans un écosystème pur et naturel. En apesanteur, on ne se lasse pas d'observer et de rechercher chaque être vivant, aussi insolite soit-il. On a aussi plongé 2 nuits pour réaliser nos fameuses plongées Blackwater, nos plongées de nuit en pleine eau. Ces plongées qui sont aussi très prisées par nos amis Amélie et Leslie, qui sont venus nous rendre visite à bord en Martinique. Lors de ces plongées, on essaye d'avoir un maximum de profondeur sous les palmes. Dans un noir infini, en apesanteur, on se croit pour des cosmonautes à la recherche de la vie. On essaie d'être au plus proche des abysses pour photographier le plancton en migration verticale. L'objectif de ces plongées, c'est de réaliser des photographies en HD de tous les animaux qu'on croise. Nous gardons les images inédites pour un ouvrage et une exposition à la fin de notre projet. Dans le plancton, il y a beaucoup de créatures, des poissons et des crustacés. Puis on rencontre d'autres organismes qui se nourrissent dans cet écosystème, comme les céphalopodes. Ensuite, ce sont mes parents qui sont venus nous rendre visite en Martinique. Ils ont pu rencontrer nos amis les dauphins et découvrir cette magnifique île. Route vers le sud, en passant vers Sainte-Lucie et Saint-Vincent. On commence à voir les premières eaux turquoises en arrivant à Béka. Ce n'est que les prémices de ce qu'on va découvrir au Tobago Caves. D'après Rémi, on se croirait en Polynésie. Limbo Cactus. On a bien aimé explorer ces îles désertes, pour leur faune et aussi pour leur flore. Des iguanes sorties tout droit de Jurassic Park qui ressemblent à des dinosaures. D'île en île, on prend l'annexe et on va les découvrir à pied, pieds nus. On se prend pour des pirates. J'ai vu mon premier requin nourrice. Il était bien caché. Et j'en ai même vu un deuxième. Nous avons été un peu déçus par les récifs coralliens. Une fois de plus, ici, plus de 50% du corail est mort. Quant aux tortues, elles ont plutôt l'air de bien se porter. Elles étaient très abondantes dans les herbiers des réserves. Direction Kariakou, pour toute une autre étape, celle du carénage du bateau. L'anti-fouling érodable que nous avions prévu était une mauvaise idée. Il est parti beaucoup trop vite sur les grandes traversées. Nous y remédions donc avec une peinture matrice dure que l'on pourra frotter afin de rester performant sur l'eau. Après cette escale technique, c'est parti pour la traversée de la mer des Caraïbes. Direction plaine ouest avec la prochaine étape, le Panama. Nous avons 1200 milles à parcourir, soit quasiment la moitié de la traversée. Ça va ? Oui.
Toujours escortés par les dauphins, nous avons aperçu des baleines et des globicéphales, mais malheureusement, ils étaient trop furtifs pour pouvoir les prendre en photo. Comme les poissons volants, qui sont notre quotidien sur l'eau. Les courants ont été extraordinaires sur cette traversée. Nous avons régulièrement été à 8-9 nœuds, nous avons même fait des pointes à 11 nœuds. Comme lors de la Transat, nous avons une routine en navigation. Et nous sommes de plus en plus performants avec les réglages de nos voiles. À mesure que l'on se rapproche de Panama, les cargos sont de plus en plus nombreux. Et les routes de collision sont fréquentes car peu de bateaux se déroutent. Il faut être vraiment vigilant lors des quarts de nuit. Comme une impression de déjà-vu, le passe-plat est très pratique entre le cockpit et la cuisine. Et après plusieurs jours, ici, on ne sent même plus la houle. Panama! Après 8 jours et demi de navigation, nous traversons le parking des cargos en attente du passage du canal. Un parking de plus de 16 km de long. En guise de récompense, nous sommes accueillis par deux dauphins très joueurs à l'arrivée de la marina, où nous allons nous reposer et organiser notre passage du canal vers le Pacifique. À bientôt pour la prochaine aventure!